Bonjour monsieur, dame, je me présente, Didier Rossi, peut-être que vous me connaissez, peut-être que non. Voilà, j'ai une longue carrière de culturisme, donc 30 ans, depuis 87. Voilà, j'ai rencontré sur ma route Bernard Isogola, à Maya, et qui est devenu un ami à moi. Voilà. Et du coup, Bernard a inventé un concept qui s'appelle Amaya Games, je crois, c'est ça. Et au bout de quelques années, nous avons organisé donc ce type d'événement dans un petit village, là où j'habite d'ailleurs. Je faisais des spectacles avec lui, en mariant la force et l'élégance avec des gymnastes à l'époque, pour faire connaître notre beau sport qui est le culturisme. Et donc moi, je suis culturiste populaire, c'est-à-dire que je plais aux culturistes qui sont de renommée. En même temps, aux non-culturistes, c'est-à-dire que c'est les profanes, parce qu'ils essayent de se rapprocher d'un physique accessible, on va dire. Ben, du haut de mes 59 ans, je continue à lutter sur notre beau sport, tout en laissant de côté certains produits qu'il ne faut pas utiliser, dont je ne critiquerai pas. Mais nous, on essaye de colporter cette image qui est très propre de notre beau sport, puisque c'est en ayant pratiqué du cyclisme moi-même, on sait très bien qu'un athlète à 40 ans qui fait du vélo finit sa carrière à 40 ans. Comme j'ai décidé auparavant, depuis à peu près 5-6 mois, j'étais en train de me tester, et puis finalement je pars au Cameroun parce que ça en vaut vraiment la peine. Et puis c'est pour colporter cette image qui est très positive de notre sport, montrant en même temps, bien entendu, le corps sur scène, mais non seulement la force et l'endurance. Alors, à partir de ce moment-là, quand avec Bernard a mis ce concept, j'étais hyper séduit parce que le connaissant depuis des années, j'ai dit, s'il fait ça, c'est que passionné comme il est, il n'y a aucun problème, et on s'est rejoints tous les deux. Et on a fait ça à Barcelonnette, sur la place du village, quoi, du grand village, l'été, où les gens sont venus nous voir et ils ont été séduits à 100%. Ils ont trouvé que c'était magnifique. À tel point que les profanes qui critiquaient un peu, entre guillemets, notre sport, ne connaissant pas notre sport, s'est mis, puisque j'ai une salle moi de muscu, donc je suis bien placé pour le savoir, et même à Marseille, ils m'ont téléphoné par la suite, ils se sont mis à faire de la musculation. Et ils se sont mis, il y en a quelques-uns qui m'ont demandé, qui m'ont téléphoné, ils m'ont dit, mais Didier, est-ce que cette compétition, ça nous intéresserait, ça serait sympa qu'on soit avec vous, qu'on se mélange avec vous. Bien entendu, puisque de toute façon, on invite les gymnastes, on invite les boxeurs, on invite les gens qui font du marathon, on invite tous les athlètes qui existent. C'est justement, on ouvre notre sport aux sédentaires, celui qui critiquait notre sport, mais qui était ébloui par rapport à ce que fait un culturiste, okay? Et en même temps, les athlètes qui se joignent à nous et qui comprennent que le culturisme, ça apporte quelque chose. Et en plus, je suis bien placé pour le savoir, j'ai quand même 60 ans, et le corps que j'ai, je voudrais bien que les gens de 60 ans aient ce corps-là. Vous comprenez? Avec la qualité de peau, vous le verrez vous-même d'ailleurs. Voilà. Que vous dire de plus? Je vais connaître le Cameroun. C'est la première fois que je vais en Afrique parce que je suis allé un peu dans tous les pays. Et je suis fier de vous connaître parce que. Je pense que un jour, vous viendrez à Barcelonnette pour la compétition. Voilà. Et faire des échanges entre la France, le Cameroun, et puis d'autres pays d'ailleurs. Voilà. Parce que c'est comme ça qu'on fait évoluer les choses. C'est des gens comme nous de terrain, sans se mettre pour autant en avant. Parce que je dis qu'un gars comme moi, c'est du travail. Tout le monde peut l'être.
Mais c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, et surtout, ce que c'est le cœur qui parle. Voilà. Et c'est pour ça que je suis là pour vous ce soir, aujourd'hui à Paris, puisque je suis venu du sud de la France, et je suis venu à Paris chez mes amis pour cette interview, parce qu'on m'a demandé d'être interviewé. Voilà. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt.